Les entraînements sont très durs, surtout les physiques avec piste. Oh. On se prépare là, on se prépare psychologiquement et physiquement. Et on va gagner même ce match, Inch'Allah. Oui, contre Izek. Nous sommes un groupe très solide et solidarité entre les filles. Les filles n'ont pas de problème. Elles sont gentilles, elles savent très bien ce qu'elles les attend. Oui, on est là, dalle. On s'entraîne tous les jours. En plus, oui, nous sommes un groupe très, très solide même. Bon, la préparation se passe très bien même, parce que vu qu'on était à Dakar il y a même pas un mois de cela, donc après avoir revenu à Ziguinchor, on est en train de travailler les secteurs défensifs. C'est là-bas qu'on a eu plus de problèmes qu'en attaque, c'est pour ça qu'on est en train de travailler le secteur défensif. Là où on est, l'équipe est prête, physiquement, tactiquement, l'équipe est prête. Financièrement, ça reste un peu. On est en train d'attendre les bonnes volontés pour qu'ils nous aident. Mais techniquement, tactiquement, l'équipe est prête. Ouais, on a eu une seule départ, Ndekumba, elle est au UNCEPS. Mais après cela, on a renforcé aussi l'équipe. On a bien renforcé l'équipe parce qu'on était 10. Les filles étaient 10 en allant au tournoi monté. Maintenant, on est au nombre de 17. Donc, je pense que c'est un peu bien. Aussi, on attend des joueuses qui vont venir pour renforcer l'équipe. Bon, donc, je pense que ce qu'il s'agit de renforcement, ça sera bien renforcé, Inch'Allah. Bon, la plupart de nos joueuses, cette saison-ci, qu'elles ont atteint la catégorie senior. Nous, quand on était au tournoi de montée, on avait 5 cadettes et 5 juniors. Donc, cette année-ci, elles sont en catégorie. D'autres sont en catégorie junior. La plupart d'eux sont en catégorie senior. Donc, la tranche d'âge, je pense que ça ne pose pas de problème parce que c'est des gamines. Elles peuvent bouger, elles peuvent jouer, elles peuvent courir aussi. Bon, pour le manque d'expérience, moi, j'ai pas peur. Moi, je disais qu'on y va en D1 pour apprendre. Donc, on va apprendre intelligemment, apprendre avec la manière pour y rester, pour maintenir l'équipe en première division. Bon, je lance un appel pour que toute la population vienne soutenir cette belle équipe du CMT. Maintenant, vu que la situation qui s'est posée il y a 4 ou 5 ans de cela, on n'a pas eu d'équipe en première division. Maintenant, c'est normal que la raison est un peu... Il y a un peu de problème vu l'état du basket de notre région. Mais on fera tout pour mobiliser le maximum de personnes, Inch'Allah, le samedi, Inch'Allah. Nous lançons un appel solennel que les Ziguinchorois viennent nous aider et nous supporter pour qu'ils nous puissent donner plus de force pour qu'on puisse gagner le match, Inch'Allah. Ouais.